beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine du mois de mars. Nous sommes lundi 25 mars 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On va terminer avec l'oracle angélique pour cette semaine. On va continuer avec la petite philosophie de chaque matin et on terminera par l'affirmation positive de la journée. Aujourd'hui, petite philosophie du matin, 3 questions essentielles. Toute personne aspirant au bonheur devrait se poser 3 questions. Première question, quel est mon but? Deuxième question, que dois-je faire pour y parvenir? Troisième et dernière question, cela me rendra-t-il plus heureux? Donc, vous vous posez ces 3 questions. Quel est votre but? Que devez-vous faire pour y parvenir? Est-ce que vous serez plus heureux? J'ai pigé aujourd'hui l'ange de la vérité. Ah, l'ange de la vérité, c'est la sagesse, la clarté, l'engagement. L'ange de la vérité. Bon, il est vrai que si nous voyons l'extérieur des choses, nous vivons dans une période vraiment d'incertitude par rapport au monde extérieur, eh bien, qui nous envoie des informations créant beaucoup d'insécurité, de l'angoisse et du chaos interne. Alors, savoir discerner notre vérité grâce à un accès direct à notre compas interne, c'est-à-dire aussi notre intuition, ben c'est primordial pour garder notre énergie positive. Et cela n'est pas facile parce que il y a aussi la bataille entre l'ego, le mental et l'intuition qui laisse bien des choses amères dans notre vie, parce que bon, l'ego essaye de prendre le dessus sur le mental, l'intuition, ben, il ne sait plus où il en est, cette intuition, du coup, ben voilà, c'est pas très apaisant tout ça, Donc, l'ange de la vérité, revenir à soi, ça c'est la première chose. Cet ange, eh bien, il vous dit, sois cet être de vérité, celui qui sait dire et créer sa vie à même le terreau de son essence profonde. Alors la principale vérité est celle de la connaissance de soi, n'est-ce pas? Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, elle se trouve, cette vérité, à l'intérieur de vous, dans votre petit cœur et dans ton âme. Découvrir la nature profonde, eh bien, est la voie qui te conduira sur le chemin de ta paix intérieure. C'est-à-dire qu'on te demande de découvrir ta propre vérité. Ta vérité qui est dans ton cœur et ton âme. Place, eh bien, cette vérité intérieure au sommet de tes priorités. C'est primordial. Il se peut que tu t'en es éloigné. Pourquoi? Si tu t'en es éloigné, eh bien cet ange de la vérité, il vient de te demander de rectifier cet éloignement, de mettre tout en œuvre pour retrouver ta route, celle qui te conduira à vivre de beauté et de vérité dans toutes les sphères de ton existence. Toucher à sa propre vérité, la respecter et la vivre sont des bienfaits inestimables, n'est-ce pas, pour ton évolution. Ta propre vérité, eh bien, elle te conduit à l'ultime vérité, celle de l'amour, avec un grand A. L'amour du bien et du beau en soi et en toutes choses. Très beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Je termine avec l'affirmation positive pour ce lundi. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.